journal là d'abord avec désignation juge instructeur dans le cadre de l'enquête sur assassinat et Jovenel Moïse là en pile réaction après algain pour attendre dirigeant organisation droit moun maître Gédéon Jean Gain ancien député Abel Descollines qui réagit maître Oxylus mettait en doute partialité juge Gary Aurélien mais entre-temps Bob C guerrier situation est très critique dans le grand sud pays qui ça gagne 12 jours t'es frappé par un méchant tremblement de terre donc situation li très critique et yon centaine policiers dans tout département qui est trouvé dans la rue puisque caillou soit fissuré endommagé et même crasé n'a vin avec précision de direction départementale sud de police là mais gagne on drame n'a pas signalé par rapport à un drame nous t'ai parlé de l'hier c'est confrère ça qui était perdu maman ak papa le tremblement terre à 14 d'août là au cas lorsque tu as couru pour violence dans Matissan au même matin nous apprendre gagner enterrement et madame ça qui a chanté dans Chardonnière Farah pourri ça toute petite li un bébé 2 ans 2 mois qui était mort tout en bas des comptes dans tremblement 14 d'août là dans ville Okaï deux moun sa yo c'est madame ak petite policier agent 1 Aslin Léger qui lui-même cantonné dans sous-commissariat Bergeois dans rentrée ville Okaï policier ça l'ital fait espoir d'après information le tremblement de terre est arrivé passé et c'est dans moment madame li t'a couru pour sauver ak bébé a Mukai la t'a tombé sous liste en pile douleur policier ça t'a accepté témoigner sous circonstances drame ça nous parler avec lui dans téléphone hier soir il y a une possibilité pour nous rejoindre matin puisque il est sur route pour aller participer dans enterrement madame ni ak bébé qui a fait en même temps dans Chardonnière matin contrairement à Jean ça habitué fait en direction départementale sud l'antépoté tout suivant à policier ça pour enterrement capable d'organiser matin dans la commune Chardonnière. Nous apprenons tout que 14 policiers qui touchaient physiquement avec blessures dans bras, épaules, parmi eux, il y a 2 qui blessés gravement. Yon nan yo a pran soin kou elle là nan yon l'hôpital nan capital la côté infrastructure guerrier Bob C yon pati nan commissariat Cavaillon qui tombé commissariat Akin Saint-Jean sorti avec un pile fissure tandis que commissariat Camperéan sorti intact en tout gagné 8 commissariat qui recevoit gros frappe après tremblement 14 d'Aoutland dans un sud des pays. Commissariat à Sayo qui t'a dû servir refuge pour policiers qui trouvaient yon centaine comme ça dans la rue, même genre à Cresse population d'après chiffre direction départementale sud de police ta communiqué gagnant total 123 policiers guerriers pour tout département sud-là qui gagne, caillou soit endommagé, crasé ou bien fissuré. Voilà. Mais avant ça, hein, gagne l'autre information, information partielle hein, pour toute région sud-là, pour tout grand sud-là. La police est communiquée avec nous, information qui est capable toujours évoluer. Commissariat qui est endommagé dans le département sud-là, c'est en total 8 policiers qui victimes, 76 4 fracturés, policiers qui sont proches, yo décédé, gagné 9, ils ont été communiqués, tout gagné 19 cas qui endommagés, policiers qui ont cas endommagés, gagné yon cinquantaine cas policiers qui détruit une grande ce bilan partiel, gagné 10 commissariats qui endommagés, gagné 36 policiers qui victimes, personnel administratif 11 maisons qui endommagées, c'est 36 pour département Grand-Anse et puis pour NIP gagné sous-commissariat, yon sous-commissariat qui endommagé, yon l'autre détruit et puis pour Sud-Est gagné yon commissariat qui endommagé. Donc voilà pour chiffre qui concernait la police nationale qui est même victime, même gens à Cresse population, a gagné 123 policiers qui ont gagné caillot, soit crasé ou bien détruit et même endommagé. Donc situation qui n'est pas différente pour la police qui normalement est doué en condition pour assurer sécurité population alors que en pile en policier ou soit commissariat endommagé, détruit, écrasé pendant que l'autre qui gagne caillot qui crase tout.
Oui, donc nous venons avec l'autre information sur la situation qui gagne dans le Grand Sud là avec la situation victime, les gens qui sont affectés. Nous avons parlé pour nous aller dans différentes villes. Nous avons parlé de Nipa au sud depuis. Gradan s'est parlé avec des autorités locales pour connaître qui ça a fait pour améliorer les conditions victimes. Et nous connaissons tous la situation sanitaire là, qui est révélée très critique dans le département sud du pays, en côté gagnant, en pile l'hôpital avec centre santé qui est écrasé. Première information de gagnant, il fait qu'on est l'hôpital général Oka a été dépassé par la situation au point. Et dans certaines zones, c'est un médecin Feuille qui tape by Mounio à premier soin. Nous avons rendez-vous dans le journal là tout matin pour nous parler avec le directeur départemental santé, qui c'est docteur Février n'a gagné pour nous rejoindre tout à l'heure dans le journal. Oui, mais entre-temps, nous parlons de l'assassinat Jovenel Moïse, désignation juge Gary Aurélien pour mener enquête ça. C'est une gros blague, d'après le secrétaire exécutif Centre Analyse à Recherche, nous a fait un cadre qui évoquait manque d'expérience à magistrat. Mais Gédéon Jean expliqué aucun juge d'instruction, papa capable de faire ça à cause, c'est un dossier complexe. Tout juge choisi a contraint pour déporter ou bien demander asile pour persécution politique, d'après dirigeant organisation à droit Mouna qui continue à plaider en faveur d'une enquête international, la création d'un tribunal spécial dans le cadre de dossier ça. Bon côté, Pali, coordonnateur organisation citoyenne pour un nouvel Haïtien au CNH, dit les prenotes concernant désignation magistrat Aurélien dans le cadre de dossier président République. Là, Camille Auxilus dit les inquiété par rapport à comportement ministre Justice là, 24 heures après nouveau choix droit un tribunal première instance Port-au-Prince là. Maître Auxilus déjà mettait en doute impartialité juge Aurélien. En suivant dossier avec Johnny Ferdinand. Environ 22 jours depuis le DCPJ fin transféré rapport enquête sous la mort ancien président Jovenel Moïse là by autorité la justice, tout le monde toujours prétend mais dans ma chouette sous tiches bayo qui l'est à comment instruction dossier ça a démarré même. N'a pas songé depuis le rapport arrivé sous bureau doyen tribunal premier instance Port-au-Prince là, c'est pas deux trois paroles en pile qui t'a parlé. Gain information que t'es fait quoi, gain plusieurs juges instruction, yo t'ai contacté qui t'ai pè dossier a qui pintade koyo, gain qui la mais autant coup pour Pilate qu'on ça tout gain l'autre qui semblait être intéressé qui était en train à chauffer malheureusement doyen pas de choisir gain l'autre causé qui rete pour son collège trois juges qui pour ta travail sur un dossier comme ça. Finalement, maître Bernard Saint-Ville t'a fait choisir Jean-Mathieu Chanlat. Un petit temps après, magistrat Chanlat t'a pral retirer colle sans bris sans compte, li déporté li. D'après ça qui t'est parlé, juge là pas joindre moyen li t'est exigé. Plus passé deux semaines après, doyen fait un autre choix. Fois ça, c'est magistrat Gary Aurélien qui gagne responsabilité ça. Yon décision qui levait plime sous dos en pile organisation de la moun à l'autre secteur dans le pays. Comme quoi, juge Aurélien t'a nommé dans zone décembre 2020 pour arriver janvier 2021 comme juge siège dans le tribunal première instance quoi des bouquets alors qu'elle prêtait serment dans mois avril 2021. Gary Aurélien pral fait premier amli dans dossier Jovenel Moïse là pour secrétaire exécutif centre analyse et recherche dans affaires droit moun l'encard met Gédéon Jean parole ça c'est une blague qui paraît avec blague. Un juge inexpérimenté qui peut même traiter ton dossier, même siège il va gagner en bas. Donc, qu'on y a qui peut traiter le dossier assassinat président avec des implications géopolitiques. Donc, ça, c'est une blague. Il fut substitut du commissaire du gouvernement. Donc, son juge qui inexpérimenté et vraiment, par rapport à ce dossier, nous pensons que vraiment, on va dans la même logique d'épaule. C'est une quoi déclaration, M. Gédéon Jean, c'est un temps qu'a perdu dans un fait choisi juge instruction ça. Juge pralé, juge abvini, c'est apnad marinade. Selon numéro un quart là, soit juge yo continue de porter yo, soit yo profite mande asile pour tête yo ak famille yo sous base persécution politique. Militant droit moun lan souligné, dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, c'est pas un dossier simple dit tout. Non seulement li impliqué yon ensemble étranger, mais tout gen entreprise nan dossier a sans compter réunion qui fait qui gen pouwe ak pays l'autre bodlo. Parce que des militaires colombiens qui rentré en Haïti qui assassiné un président et compagnie qui planifié assassinat qui recruté militaires yo bien aux États-Unis, des réunions faites en République dominicaine. Donc, lorsque un président assassiné dans condition ça, c'est pour un dossier simple pour un juge mettre là qui va agiter nos
bio qui parler les quelques témoins capter des noms. C'est un dossier complexe et puis qui a une dimension géopolitique. Dossier assassinat Jovenel Moïse là, c'est chaque jour levé ou tendez un épisode. Là vous pensez ou te comprendre ou pour que jamais comprendre rien dans rien. Il y a information qui t'a fait quoi, yo te joignent une quantité l'argent qui gagne dans figure l'ancien patron Agritrans là. Il y a l'autre information même qui allait plus loin pour faire connaître, yo pas ta droit négliger ou bien écarté dans quatre dossiers ça, thèse drogue là. Là vous considérez te gagne moun entourage messieurs qui gagne soupçon drogue sous doyo par rapport à complexité dossier. J'ai les gens estimés faut que c'est moun qui gagne gros expertise qui pour travailler sous lui. Dans sens ça, car persister quoi, faut que t'as gagne une enquête internationale qui a obligé à aboutir ouais par ouais à création d'un tribunal spécial. C'est pareil en Haïti, vous pensez c'est code civil, code pénal, ou antique dans la constitution qui va le faire. Non, faut entrer dossier à la dimension que le gagne. Faut faire appel à la philosophie du droit. Faut faire appel à la philosophie politique. Faut faire appel à aux théories, aux grandes théories relatives à l'État. Maintenant, si nous voulons faire un dans la République, le SAN a continué à faire un, juge Chan l'a peut-être déporté, ou pas l'autre juge encore qui va le déporter, soit pour persécution politique, ou bien le juge dit, ah, juge ça l'a travaillé pour opposition, hein, ou bien juge ça l'a travaillé pour PHK. C'est ça qu'on a dit. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH, beaucoup te parle lui-même, dit lui prend acte concernant désignation juge Gary Aurélien. Toutefois, au CNH, pas caché inquiétude lui par rapport à la déclaration ministre justice là, Rockefeller Vincent, fait sous Twitter. Moins passé 24 heures après choix juge là, côté l'annoncé, il prend toute disposition pour permettre magistrat jouer un moyen pour faire travail li. D'après coordonnateur au CNH là, M. Camille Oxius, parole Rockefeller là, paraît suspect. Là, on considère différentes requêtes sans réponse. Juge qui tape travail sous dossier M. Monferrier d'Orval là, t'es fait. Yo t'es même vin prend machine, yo t'es balia, exam pour sécurité dans dernier l'air. Nous rien, tout c'est pas yon disposition li prend de manière intéressée pour permettre à ce que yo instrumentaliser juge là et dans action la poser ou capable. C'est le monde qui a été réglement de compte politique, c'est le monde qui parle même les vrais concernés, c'est même juge la relève. Juge instruction qui pral mener dossier ça, doit faire équilibre, doit gagner colonne vertébrale, doit apprendre état des droits. C'est en tout cas déclaration M. Camille Oxius qui croit, faut que juge là pas n'entêter langue à personne, quel que soit nom, couleur peau, niveau l'agent ou rang social ou achat. Politique pour défenseur de moun lan, faut qu'il y ait un exemple qui tracé dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Nous souhaitons juger dans l'IPA qui était instrumentalisé, nous souhaitons l'IPA agir dans l'intérêt de clan politique, nous souhaitons l'IPA travailler comme il faut en dépit de manque d'expérience, tout le monde déjà connaît le gagné sous base de l'IPA qui a fait un pile dans le système là. Est-ce que Jovenel Moïse a besoin de justice? C'est question en pile moun ta ka pose tête yo. Mais, il y a l'autre moun qui ta ka répond qui bon. Catégorie moun sa yo, ta ka di ou, ancien patron Agritrans lan pa travail pour ça. Là, yo considéré pendant ray PHTK, sitou administration Jomoua. Impunité, c'était celle règle là. Toute institution yo krasi plat à terre. La justice même, c'est réelle. Justice la disparaît tant qu'ou zèkle, c'est la seulement crité. Citoyen même qui relè Rockefeller Vincent, annoncé sous Twitter mercredi après-midi, li pral parler, oui, sous tout J'ai ministère justice faire pour bail président famille ak pays justice n'a cité après malfecteur qui pas qu'attendre mandat président fini assassinel. Yon fois encore monsieur Rockefeller Vincent montrer li c'est un élément important dans enquête là. Monsieur Agetan connaît c'est moun qui pas qu'attendre mandat ancien président fini qui assassinel. En tout cas, soit enquête là tout fini là, soit Rockefeller Vincent vient dit DCPJ la justice ak pays a de qui est la palé même. Johnny Ferdinand, Caraïbe FM. Merci Johnny Ferdinand. Collectif Défenseur Plus dit prend note désignation magistrat Gary Aurélien comme juge qui pourrait mener enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Organisation Cap Défendre Amouna mandé magistrat Gary Aurélien pour le prendre en considération toute facette qui est capable de mener pour lumière faite autour des assassinats ça et pour le pas prendre en pièce intimidation à craponaille pendant la mener enquête là. Il m'a dit autorité au bail juge là bon jeune moyen pour le capable faire travailler comme ça doit. Antonal Mortimer dans micro original Rémi. Défenseur Plus prend acte de désignation d'un nouveau magistrat, instructeur, qui pour instruire dossier qui concernait l'assassinat président de la République, M. Jovenel Moïse. Il s'agit du magistrat Gary Aurélien, qui est doyen Benassinville désigné dans la fin de semaine passée.
Et faut nous dire nous-mêmes au niveau Défenseur Plus, depuis le 7 février, au final assassiné le président la CAELI, qui n'a pas suivi le CSA. Et nous encourager magistrat instructeur et nous saluer le courage de, qui a accepté d'instruire un dossier aussi important qui est d'actualité depuis environ 2 mois. Nous avons des autorités dans la police, là, autorités dans la justice. Là. On a parlé des ministères de la justice, on a parlé des doyens, administration CSPJ, police judiciaire, inspection générale de la police, et direction générale pour accompagner magistrat et pour balayer tout moyen qu'il est capable bien besoin pour le capable. Instruit dossier dans l'idée pour les chercher présumé coupable pour chercher monde qui complice et pour traduire devant la justice vraiment pour les capables de rendre ordonnance dans délai la loi prévoit pour ça. Nous demandons tout juge là pour le courage pour commencer à poser acte d'instruction pour conduire enquête là au bon port pour ne pas céder au chantage. On série des mounes qui semblait d'explications pour fournir par la justice et sous relation avec auteur matériel intellectuel crime odieux fait sous président de la République là. Et moun sa yo nous pensait que yo a fait des pressions, même j'ai fait pression sous Jean Chalat Griffiel. Donc c'est magistrat Aurélien du procureur de la pour ne pas quitter pression moun sa yo influencé. Et du même coup nous demandons acteurs sa yo pour quitter la justice travailler en toute indépendance et nous dénoncer certains acteurs politiques et quelques groupes de la société civile qui ont fait diversion autour des dossiers, qui ont bouillé toute piste d'enquête judiciaire, même si on a tenté de bouiller toute piste d'enquête policière à travers une série de déclarations passées par là. Et il a polié le dossier jusqu'à ce que pour empêcher la population à connaître la vérité sur le crime odieux, le crime carapulé qui fait sous M. Jovenel Moïse, qui lui-même était président de la République. Et nous défenseurs plus encourager Mounsayo vraiment pour continuer le travail, mais travailler en façon pour ne pas détourner l'attention sur le vrai problème pays et pour ne pas détourner l'attention sur l'enquête pour les jeunes vrais coupables. Défenseurs plus considérer l'attaque qui fait contre Jovenel Moïse comme président de la République. En cours, on attaque contre la souveraineté pays, contre la démocratie et contre l'état des droits. Et assassinat ça, il n'y a pas de vérité fermée dans la justice, ni organisation droit monde, organisation sociale, organisation politique, pas de utiliser assassinat ça comme un instrument politique. Même si la justice pas de utiliser le tout comme un instrument politique. Dans ce sens, nous interpellons les populations à travers organisation sociale, organisation communautaire, organisation politique qui conséquent dans le pays pour être mobilisés, pour être capable d'exiger la vérité autour des assassinats du président Jovenel Moïse et pour accompagner l'autorité judiciaire. Dans le cadre d'enquête ça jusqu'à ce que nous vivons pour ces publics, tout le monde qui est criminel et toute complicité. Nous avons des actes concrets de la part du ministre de la Justice, M. Rockefeller-Vestant. Nous avons des actes concrets de la Direction générale de la police judiciaire. Nous avons des actes concrets du paquet de Port-au-Prince jusqu'à ce que pour nous prenions la vérité sur ce qui est passé. Donc, il y a trois crimes qui sont faits dans le pays qui ont été impunis. Donc, nous ne pouvons pas doué chaque crime dans le tiroir. Donc, si M. Jovenel pas joint justice, c'est capable vraiment de procéder à la justice haïtienne. Mais nous-mêmes, nous encourager non seulement pour M. Jovenel joint justice et en sa qualité de président de la République, mais pour tout l'autre monde qui est victime, soit administration Jovenel là, avant administration Jovenel là, ça veut dire soit administration privée, soit administration Matéli, soit administration avant eux, pour y avoir justice pour eux. Antonal Mortimer, et désormais c'est juge Gary Aurélien qui est désigné pour mener enquête sur assassinat et président Jovenel Moïse. Nous déjà attendez en pile voix qui levait pour dénoncer choix ça gain organisation qui même mettait en doute passivité juge là bon côté par la coalition des députés haïtiens qui dans opposition Kadoa qualifié lui-même inutile débat qu'a fait sous nouveau juge instruction qui choisit pour traiter dossier assassinat président Jovenel Moïse là Abel Décolline. Cependant quoi c'est un juge qui a compétence à qui expérience qui t'a supposé prendre en charge dossier ça. Parallèlement ancien député a recommandé pour premier ministre Ariel Henry bah explication sur relation avec Joseph Félix Badiou côté yon rapport RNDD a cité non comme monde qui est parlé avec Badiou après assassinat et président Jovenel Moïse là. Ancien député Abel Décolline t'es dans micro Renchel Adrien. Concernant le choix d'un nouveau juge d'instruction pour enquêter, pour travailler sous dossier assassinat
ancien président Jovenel Moïse. On croit que c'est un processus qui est normal, son mode opératoire au niveau de la justice pour que le doyen lui-même lui fait choix de on juge. Bien entendu, son dossier qui est sensible, c'est un dossier qui vient en pile en jeu. Donc, constater, il y a de cela une semaine, gagnait un juge qui lui-même était fin accepté, mais lui finalement décliné. Maintenant, nouveau juge, ça gagnait des remous, qui estimait que c'est un juge de l'équipe, qui estimait que c'est un juge qui n'a pas gagné assez d'expérience. Bref, donc, ouais, l'important pour gagner de considération qui fait, dans la mesure où dossier ça a tellement gagné diversion qui fait déjà la dernière, tellement gagné confusion, tellement gagné, en tout cas, de stratégie politique, politicienne, de monde même qui appartenu à un régime, Jovenel Moïse a fait autour de dossier ça. Donc, il est vrai que débat qu'a fait yo sous choix jugelant. Donc, ouais, c'est pas le débat qui est inutile. Faut que c'est un juge qui est au-dessus de la mêlée. Faut que c'est un juge qui doué d'expérience. Mais faut que c'est un juge tout, bien entendu, qui gagne capacité pour traiter un tel dossier. S'agissant maintenant de non-premier ministre qui cité à travers un rapport RNDDH, nous-mêmes, le niveau Kadoa nous dit nous inquiets, nous préoccupés. Cependant, pendant nous inquiets, nous préoccupés, nous, pape, évertuer nous tous dans un jugement arrêté pour nous dire oui ou non, premier ministre coupable ou bien gagner en responsabilité. Cependant, au niveau Kadoa, nous pas satisfaits de réaction premier ministre Ariel Henry par rapport à ça qui dit dans le rapport RNDDH. Là, nous dit nous pas satisfaits. Premier ministre réagit pour le dire, ni en train de rassembler les paprales polémiquées avec l'organisation droit moun. Nous croyons réaction ça, elle n'est pas suffisant. Nous croyons réaction ça, elle n'est pas à même pour le dissiper ni pour le rassurer population. Faut gagner aux clarifications. Faut que gagner des explications puisque monsieur Ariel Henry n'est pas seulement le citoyen Ariel Henry, c'est le premier ministre, c'est un responsable de l'État. Même gens nous demandaient des explications, même gens nous demandaient, faut que gagner de clarifications qui potaient autour de l'ancien PM Claude Joseph, puisque c'est les mêmes qui pratiquement étaient en charge lorsqu'il a assassiné le président. Même gens nous demandaient des explications, de clarifications de directeur général de la police, là, puisque c'est les mêmes qui gagnent commandement sécurité pays et président Mouré, ben, c'est même genre, n'attend des explications, des clarifications autour de nos PM Ariel Henry à travers rapport ça, qui laissait croire que le gagnait des échanges téléphoniques fréquemment avec une non présumé suspect, en tout cas non présumé assassin président. Voilà pour réaction Kadoa. Nous croyons monsieur Ariel a l'obligation pour le bail explication. Puisque dans tout pays qui est sérieux, lorsque nous sommes responsables de l'État, cité dans un dossier qui est aussi sensible, dans un dossier qui est aussi crucial, ben, il n'est pas capable de nous dire, il n'est pas rentrer dans la polémique, il faut qu'il explique. Est-ce que le connaît M. Badiou, quel niveau de relation il était ensemble avec lui, quelle a été en tout cas la nature ou le motif de conversation il était gagné. Bref, c'est toute explication ça y est, Captain, d'un niveau Kadoa avant pour nous prendre l'autre position. Voilà, Jean-Noël Tapet a lancé précision ancien député Décolina Bell dans Kadoa qui t'a parlé comme ça. Donc, nécessité pour un avion dans le pays d'Haïti et un hélicoptère, c'est pour tout Haïtien. Et c'est belle bagaille. Et voilà que Pasteur Sarah, Pasteur Sonny Adolphe, dans la ville Tigouave, qui a mené bac Radio Echel FM, il a écrit ingénieur Charles Benoît. Pendant en Haïti, il a écrit pour le bail participation. Parce que, ou qu'arrive un moment, pas de traverser Matisse du tout. Ou catastrophe, Jean Bagay pour aller là, le monde pour aller de catastrophe en catastrophe. Donc, pour voler au secours Tigouave, depuis qu'il y a un hélicoptère, il y a une possibilité pour ça. Ou qu'à sauver quelques familles, c'est qu'à ti demoiselle ça là, ti demoiselle, ti petite ça, dame ça, lui-même fait plaidoyer et vient dans la radio, madame Lika.
si tu as un hélicoptère ou penser que nous pas t'a voler au secours et tu fiet ça sous les caïmit dans zone pointe sable. Et avec nous, Madame Lucas, qui va le faire parler de situation. Hein? Et puis, nous féliciter Joseph Gédéus, dans West Palm Beach, et qui lui-même, maintenant, moment n'a parlé là, c'est nous, ça, Charles Benoît, fait en contact avec elle. Bravo, Joseph Gédéus. Un hélicoptère pour Radio Télévision Caraïbes, son hélicoptère pour tout le pays, au service de la communauté haïtienne. Et même ou même tout dans la diaspora a besoin de nous famille ou besoin de nous famille ou te contribuer dans l'hélicoptère là, et bien pas aucun problème. Nous ne parlons pas de tout le prendre risque. Et dans Matissan, avec nous en ligne, madame, c'est Lucas, et qui peut dire nous qui évolution qui gagne dans le dossier TBBA, qui contact qui fait pour petite demoiselle là pour nous être capable sur la ville. Madame Lucas, bonjour. Bonjour Bob C, bonjour PRR, bonjour Guerrier, et ma salue toute équipe Radio Télé Caraïbes qui a fait un gros travail. Donc matin encore c'est avec un pile d'abdi, donc désolation côté que hier après nous sortir dans l'émission, nous avons un pile monde qui contacté nous, certes, mais bon côté nous fait de suivi à travers partenaires qui habitués travaillent avec nous dans le bas d'Elma. Donc partenaires yo répond, yo te prêt pour aller chercher Tifiette là sous Zilea. Mais seul ça qui te manqué, c'est que c'est autorisation MSPP pas bail pour la chercher. Parce que d'habitude, même quand organisation internationale ou pourrait profondément le travail de concert avec l'État haïtien. Ou dit au MSPP pas bail autorisation pour yo al prendre moun nan, malgré une volonté pour t'apprendre pour nous dans l'hélicoptère? Oui, il y a une volonté, mais c'est MSPP qui vous bail. Ouais, pour depuis là, nous avons lancé SOS pour nous demander MSPP, s'il vous plaît, parce que nous connaissons femme qui n'a tête ministère ça, parce que nous connaissons que femme c'est une douleur. C'est une raison qui fait que hier, l'un grand boulevard, nous connaissons que nous captons l'État réagit, parce que c'est pas un cadeau que a fait Simon, parce que l'État ratifié convention internationale relative aux droits de l'enfant en décembre 1994 qui dit dans l'article 6 Bob C. Donc les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Donc droit pour vivre là son droit lié. L'État signé pour ça. Deuxièmement, quand la constitution pays, donc dans l'article 6 qui dit que tout le monde, ça veut dire tout le monde a droit à la vie. Je dis à nous-mêmes, nous sommes pour tout le monde. Parce que si nous pas qu'un gros pays sans Timounio. Donc si nous banalisons la vie Timounio, donc demain, si je veux, c'est qui pays que nous allons gagner. C'est ça qui fait le travail que nous avons fait, il doit commencer à la base. Et puis tout ça, c'est parce que la ville sous une caïmite, par un pas gagner l'argent, car il écrasé que le pas doué, jouer un soin que le pas doué, jouer un hélicoptère à chercher. Parce que son droit à gagner, nous signer une convention et vous et que le droit ça lui-même est supposé respecter, lui-même n'est pas doué banaliser. C'est pour ça que. Question d'urgence va parler là, et oui. Pour Alponti, monde qui a une difficulté à partir de ambulance, à partir de ambulance, c'est une planification. Oui. Concerné à et compagnie ou rentrer ministère santé publique dans dossier à qui ça santé publique pour autorisation en ambulance pour porter un malade qui est en difficulté. Oui, justement parce que c'est avec l'État ambulance sur même le travail. Imaginez hier une proposition que vous faites. Yo dit nous pour nous aller Jérémy pour nous prendre yo canote on nous pas gagne canote et Jérémy pas gagne l'hôpital qui ta recevoir yon brûlure troisième degré de Timoun ça. Donc ça veut dire tout cas qui gagne rapport avec question médicale référence au niveau de MSPP que le sorti. Mais qui démarche ou fait à parler dans la radio, est-ce que ou à le ministère là ou bien relé dans téléphone, qui sont fait à part ça? Bon, démarche que nous faisons nous-mêmes, nous, partenaires, moi je dis ça que partenaires nous travaillons avec eux, nous demandons au support dans ce sens-là. Donc, eux-mêmes, ils ont fait intervention yo, par rapport avec institution étatique. Donc, tu as gagné tout, hier, c'est quand l'élu qui a quitté le numéro de téléphone, ambassade américaine qui a gagné l'hélicoptère. Donc, nous-mêmes, nous parlons de Chita, tout, nous parlons ensemble avec le représentant UNICEF en Haïti. Nous demandons qui nous a sauvé de ça parce que pour nous, c'est une obligation liée pour nous capables permettre à ce que nous-mêmes nous arrivions à sauver par rapport avec nous, ça, pour ne pas arriver dans le stade côté que nous avons fait infection. Donc, je crois que nous ne pouvons pas transporter la machine,
parce que où tu pas bon. Si nous transportons la machine douleur après le trop pour lui, il n'y a pas qu'un B. Donc, il dit que le cas de côté, il vient céder. Donc, il fait que si au moins il y a des secouristes qui mettent à disposition, moi, je suis prêt pour m'accompagner, pour nous chercher, pour nous mener. Parce que nous gagnons médecins sans frontières qui dans ta barre, qui que nous déjà contacté, qui prêt pour recevoir, pour le soin, qui ont spécialité dans la question de brûlure. Lançons appel, non, la peine en forme, c'est pour toute femme, ou même une organisation, ou prend prise en charge de bébé ça. Lançons appel, by madame Greta Wa, ces ministères-là, vraiment, qui pourra nous laisser passer autorisation. Madame Greta Wa, tant des journaux de la matin, comme ministre Santé publique et population. Lançons appel, by madame Greta Wa, rapide, vite. S'il vous plaît, madame la ministre, donc moi, je connais que c'est une femme ou son maman petite. Aidez-nous sauver les filles, ça, parce que les gens vivent vivre. 14 jours après le tremblement de terre, là, les gens blessés au troisième degré, ça, qui souligne là, côté que le pageon, soit suffisant pour permettre de continuer à vivre. Si bouche les bons, là, manger, mais c'est seulement soin le besoin. Aidez-nous, seul ça me besoin dans l'État. Aidez-nous sauver au moins ça pour témoignage, pour tout le monde, ça, demain, si Dieu veut. Côté que l'été en difficulté, l'État te font intervention pour lui, je dis, aller encore à vivre. Donc, Zile a pas gagné l'hôpital, Zile a pas gagné médecin là-dedans. Donc, qui vous a hospitalisé, libéré antibiotiques, un soin pléa qui souligne. Donc, nous connaissons quoi répondre, madame la ministre, s'il vous plaît, m'a quitté le numéro de téléphone. Mais pour une qui veut aider nous d'être secouriste, si nous voulons partir en mer, pas de problème. Donc, depuis que Simon a dit même pas prendre un pile choc, nous avons un problème, n'a pas accompagné nous pour nous aller sous Zilea pour nous aller sauver fille 3 ans ça, qui brûlait pendant 30 ans, tremblé, chaudé, il l'a volé, donc il est tombé sous lui. Donc, merci en pile, vous connaissez que nous avons répondu nous. Numéro de téléphone, moi, c'est 43-72-47-74. 34-20-75-47. Donc, tout le monde jeudi, grand monde demain, tout petit monde, c'est tout le monde. On nous aide pour nous cagons notre société. Merci à Phil Bobsté. Merci Radio Caraïbe. Merci à auditeurs auditrice qui t'attendent nous matin. Merci Madame Lucas Chapouba, devant courageux et dans l'initiative ça. D'accord. Merci en Phil. Merci. Oui. Et en attendant, il y a une réaction ou une intervention de responsable concernant la demande de Mme Sag, il y a une démarche qui a fait là pour nous être comment nous capable de faciliter plus vite possible Mme Sag, joindre un hélicoptère là qui permet de transporter Timoun sous Zilea, Tilezan ça qui est dans une situation difficile, qui se tiboulé, hein, c'est ça? Après dernier tremblement. N'a pas allé dans le département sud et nous pourrons parler encore santé. Nous gagnons avec nous en ligne directeur départemental santé publique là dans le sud pays qui c'est docteur Bernard Février. Situation sanitaire là sous département sud là qui critique en pile l'hôpital général local là débordé dans moment côté puis fort l'hôpital accent santé yo détruit dans certaines zones. Information rapportée c'est docteur Feuille qui a soigner maladio. Docteur Février. Docteur Février, bonjour. Bonjour, Pierre-Nel. Qui situation réelle système santé a dans le département côté où il y a et nous connaissons un pile l'hôpital au centre santé qui fissuré, il était rapporté l'hôpital général, puis l'hôpital qui vient dans le département était débordé. Comment ça y est pour Koulia, qui sont capables de présenter nous tableau santé à dans le département sud pays? Bon, on a commencé par bon chiffre. Et depuis ces histoires, nous recevons, nous prenons en charge 2024 victimes. Gagné 91% de victimes, ça a été sorti dans la commune locale, à Quincavaillon, Capéré. Nous avons seulement 2 décès dans l'institution. Pour la charge là, nous avons assuré les suivants 3 points. Versant S département, nous avons demandé fonds d'air blanc pour occuper le versant S là. Et au milieu, nous avons assisté des cailles qui occupent le commun au cas là, les zones environnementales. Et nous avons renforcé la capacité de l'hôpital pour salut. Pour prendre en charge malade qui a vu sous versant côte là. Actuellement, situation qui s'allie, pendant ça, la baisse, nous avons recevoir moins de cas qui a vu.
Donc, et les références qui fait yo sous cas qui plus grave yo gagne environ 50 sous Port-au-Prince. Et salle d'opération assistée fonctionnelle, il y a 3 salles qui fonctionnent. On a assuré prise en charge plus d'une centaine de cas chirurgical majeur. Situation HCC effectivement dépassée parce qu'il y a 3 bâtiments qui sont suivis. Et il y a pédiatrie qui est obligé de relocaliser. Évaluation qui fait sous structure sanitaire, réévalué sur top 9 dans toute commune, 18 communes. Il y a seulement 22 là-dedans qui sont intacts, il y a 32 qui sont endommagés, il y a 17 là-dedans qui sont dysfonctionnels, complètement endommagés. Côté fichu, ça a craqué à tout ça là-dedans comme matériel entrant. Difficulté qu'on a nous gagné, c'est assurer prise en charge au niveau structure ça a endommagé. Des stratégies que nous développons, côté que nous organisons des équipes mobiles pour assurer prise en charge dans la zone ça a côté structure ça a endommagé. Deux décès et c'est deux mouns nous recensés qui mourit l'hôpital et gagné plus que ça selon chiffre que nous gagné de mouns qui mourit dans notre tremblement de terre là. Donc mouns ça y a pas arrivé l'hôpital. Mouns ça y a pas arrivé. Faut faire différence entre décès qui dans milieu hospitalier avec décès communautaire. Mais et mort l'hôpital, mort l'hôpital général là et l'été dans condition pour recevoir et quantité mort ça qui a privé qui situation mort l'hôpital général au Kaila. Nous dépassons par les événements, nous pas de côté pour nous prêter pour ça. Deux décès ça on parle là c'est le monde qui est venu une pension qui mourit l'hôpital. Oui, mais là, en dépit de effort et direction départementale là fait pour venir en aide à Maladio, nous comprenons que nous dépassons par situation. D'ailleurs, nous gagnons information côté, il rapporte nous dans pile zone ces médecins feuilles qui tapent mon soin. Bon, il y a plus d'informations qui viennent qui nous venu. Mais c'est vérifier information, ça qui est important. Monsieur Samkado, ministère a tes capacités de réponse. Dès la première heure qui suit le tableau de terrain, le ministère a mobilisé toutes les ressources pour la population au service. Vous continuez, vous êtes encore sous choc. Et vous dites nous, puis dans l'hôpital, vous êtes fissuré ou vous êtes tombé. Donc, qui vient fait que le système santé a quitté déjà fragile à l'autre bois, vient beaucoup plus compliqué pour vous joindre soin. Maintenant, qui l'hôpital qui fonctionnel, si vous avez un problème, vous êtes capable de référer, combien l'hôpital nous gagne qui était campé? Situation compliquée, c'est vrai, mais prise en charge là va assurer. Nous avons 4 hôpitaux qui ont une capacité chirurgicale qui fonctionne. Nous avons Fort des Blancs, nous avons l'hôpital Immaculée Conception des Cailles, nous avons Port-Salut, et puis nous avons l'hôpital de campagne dans l'université américaine. 4 hôpitaux, ça a plus, au Fatma, ils ont une capacité chirurgicale qui est capable d'assurer la prise en charge blessés. Et chaque dépassé, nous référons sur Port-au-Prince par voie héliportée. Merci beaucoup, docteur Bernard Février, n'a pas rappelé aussi, directeur départemental santé publique dans le département sud de PIA, il y a un département qui est très affecté après tremblement 14 d'août. Là. Merci beaucoup, directeur, bonne journée. Merci, Gabriel, il a besoin en urgence. Merci. Docteur, est-ce que Gabriel a besoin en urgence là et pour fonctionner? Bon, nous, 1, 2, 3, 4. D'accord. Tout matériel orthopédique. Parce qu'on connaît 90% de la carrière, c'est les cas orthopédiques. Des cas de traumatologie. Ça nous plus besoin, c'est matériel orthopédique, d'un coup fixateur externe, qui a des difficultés pour nous joindre dans le pays, mais qui est comment qui fait. Ok. On vient de cellules de crise là, c'est activé. Moment, il y a une résolution qui fait, il y a une course technique qui a fait avec partenaires techniques et clubs de l'eau. Il y a une acquisition qui fait pourtant avec structure légère, zone pour qui institution écrasée, pour nous commencer service à population. D'accord. Et merci. Partenaires, ça, nous font cartographie pour eux, pour nous redistribuer suivant besoin population pour tout le monde par le même côté, pour que côté par le même service. Ok, très bien. D'accord, docteur.
Okay. Bah, on numéro de téléphone, non, si toutefois tu as une institution, organisation, qu'on est journal ça, lui-même, lui mondial, qui t'a besoin de voler au secours nous, et voyer aide médicale pour nous, bah, on numéro de téléphone, non, docteur. Téléphone, c'est 37 13 26 44. Et l'autre information pour Mbaro, c'est qu'on fait l'organisation qui est là sur place. Mais la pile là d'ailleurs, c'est évaluation à faire toujours. Ok. Réponse jusqu'à date, c'est le ministère qui a bali, c'est l'État qui a bali dans le sud. Ok. Très peu de partenaires qui ont soutenu nous. Ok. Donc, comme UNICEF avec OPS OMS. D'accord, docteur. Bonne journée, bon travail. Ok, merci bien. D'accord, faut que nous dit que solidarité est au sorti tribobabo. Et donc, mon Okaï, mon Nip, mon Grandance, joue une solidarité dans la main Help Hospital and School of Nursing avec PDG Ilroy qui met ton équipe et déjà dans le département sud-lan pour voler au secours des blessés, pensés, des infirmières, des auxiliaires. Centre hospitalier de l'urgence de Darbonne, Santo Darbonne, avec Dr. Tony Bistinet, yon voyé, yon équipe volontaire et côté Mounio, Alphe, Sanrele, volontariat ou bien bénévolat, il n'y a pas exigé un goud, il y a marché, penser, marché, fait pansement pour mon yo. Mais si l'État lui-même était capable de un petit minimum pour être capable de mettre des hôpitaux de campagne, c'est ça, guerrier, des hôpitaux de campagne, ou pas besoin pile pour faire hôpitaux de campagne, ça yo. Et matériel, il y a déjà dans le coup. C'est pour un bois de pacates, c'est pour un plywood, c'est pour un grand prix là, des grands prix là, pour faire des hôpitaux de campagne. Mettez on série des petits cabanes, même ce que ces matelas nous jouent, petit matelas nous jouent, mettez pour nous recevoir mon yo, trop moun ap souffri, trop moun nan men tête mato, côté ces médecins feuilles qui gen moun pied cassé, pouyet cassé, zo cassé, mais c'est que la paris et zo en si sou yo. Donc, pour dire, écoute-moi, je suis capable. Donc, c'est l'État qui pour montrer que li existe. Et puis, nous avons besoin d'un grand bilan de l'argent qui a pris un trio. Par exemple, moun, les amis de Bobby, Boston, Massachusetts, et Micheline Chéric dans tête le blanc avec l'autre ami qui est dans New York, dans New Jersey et dans Philadelphia, qui dit nous, vous comptez ramasser qui choy, est-ce qu'il y a venu l'autre bateau? M'a dit nous, parfait tête chaud. Parfait tête chaud, parce que nous-mêmes sur boulevard, nous sommes des responsables. Nous ne pouvons pas finir charger un bâtiment avec toute qualité produit, produit de construction, tente, prélat, plywood, tôle, clou, la mangeaille, toute qualité, pour près de 1 million de dollars, et puis qu'on y a pour nous ramasser toujours sans que nous n'ayons pas de détails sur EDSA. Nous focus qu'on y a pour nous connaître, est-ce que paysan yo joignent aide les amis de Bobby Voye pour yo? C'est là nous finissons un rapport détaillé de Edlan, nous avons demandé aussi une possibilité d'amender un autre bateau encore. Pendant un moment, Ed tribord à bord, nous avons des pays qui baillent, combien l'argent qui baillent, il faut que nous mettions l'État, qu'on y a un baille l'État, un petit temps pour nous voir qui ça l'a dit peuple là avec Edzaïo. Est-ce que vous allez reconstruire et faire des habitats pour Mounio? Est-ce que vous allez identifier des espaces pour vous faire logement, des logements sociaux guerriers? Un village, pourquoi pas, ou capable d'identifier dans Anike, dans Chardonnier, parce que yo dit nous, il y a des gens que même quand pas qu'à fête dans la cour que vous avez encore, tu es à fond et li plonger, pas les moyens pour y aller mettre kay. Donc c'est l'État pour identifier. Fois ça, mes amis, ma deal et ma redil encore. L'argent qui a vini dans l'État, pour le monde sud, pour le monde nip, pour le monde grandos, grand boulevard intéressé qu'on est chaque centime qui dépense. Premier ministre, ou t'as supposé à bail conférence sans intérimètre là. Ou t'as bail conférence pour dire nous combien que vini. Parce que nous pas capables à brouter de l'eau dans un PC. Pendant que dit les amis de Bobby de New York, et de Long Island, de Freeport, de Boston, Massachusetts, de New Jersey, et donc à Oklahoma et Philadelphia. Et pensez oui, avec ingénieur Charles Benoît de préférence. Tout à fait 60. Campus ou ramasse Edla, parce qu'il y a trop Ed qui est allé,
et nous pas senti aide yo commencer rivé joindre victime yo nous pas capable de beauté de l'eau n'a pas impressé campé a fait aide noir c'est avec ingénieur Charles Benoît pour nous parler là parce que si nous devons hélicoptère là fini fin faire une là nous après aller pas ça dans châtaignier nous hélicoptère là fin faire une là nous après aller dans Okoto nous pas quitter ces monde cap dit nous avons hélicoptère là fini là nous après aller Beaumont nous après Chambellan nous après le Cajé Alexandre nous après comment baïo au moins ça me dit là donc pour te manger arrêter mon et puis mon et gaspillage quand gaspillage là relé ingénieur Charles Benoît et pour nous capable dire et qui dépôt on a fait et Joseph Roche et pour le fonder pour matin pasteur Sony et Shell FM Natigua pour le fonder pour